Salut à tous et à toutes, les 7 secoués, c'est Wanda Foli, bon Daniel Mangourou. Bon, aujourd'hui on est là, tout simplement, on est bien dans le froid. On va aller demander du coup aux filles, c'est quoi les phrases qu'elles aimeraient entendre d'un mec? Tu vois, quand elles draguent ou Saint-Valentin, tout ça et tout. C'est parti. Salut, tu vas bien? Très bien, et toi? Et franchement, je kiffe ton look. Hein. Merci, c'est gentil. Faut le dire, hein. Bah, c'est merci. Merci. Salut. Salut, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? T'es pressé, toi, on dirait. Hein. Un petit peu, ouais. Salut, tu vas bien? Ça va, et toi? Ouais, ça va, niama bien. Très bien. Salut, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Très bien. Alors, est-ce que d'abord tu es en couple pour commencer? Non. Ah, tu n'es pas en couple? Non. C'est un choix ou c'est par dépit? Les deux. Les deux? Ouais. D'accord, ok. D'abord, est-ce que tu es en couple? Pourquoi tu as un peu hésité là? Ma vie est triste. Ok, d'accord. Voilà. On va pas trop creuser. Ouais. Ça fait longtemps? 3 mois. Ouais, donc c'est un bon début. Ouais. C'est un bon début. Oui. Ça fait longtemps? Oui, ça fait presque un an. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, hein? Ça va. Ça mal, hein? Oui. Ça fait longtemps? Oui. Un an? Longtemps, tout est relatif, mais. Bon, un an après. Non, 4 ans. Ah, quand même, c'est long, hein? Ouais. Oui, c'est long. Non, je suis célibataire. Ah bon, c'est pas ton copain juste à l'instant? Non, c'est pas mon copain. Ok, je croyais, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Est-ce que d'abord tu es en couple? Maintenant, non. Maintenant, non. Donc c'est assez récent, alors? Ouais. Genre un mois à peu près? Ouais. Ah d'accord, ok, bon. Ça finit un peu comment? Un peu mal ou bien? Un peu mal. Ah merde, putain. Non. Je suis pas en couple. Non. Pourquoi ça? Parce que je suis bien toute seule et que voilà. On va dire que tu te combles toute seule, c'est bon. Exactement. Alors disons que, imaginons qu'un mec vient te draguer. Ouais. Ok, un homme dans la rue ou dans une boîte. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de ce mec-là? Les phrases que tu aimerais entendre? Putain, je sais pas du tout. Des phrases qui te plairaient, disons. Je sais pas, genre juste venir aborder simplement, enfin faut pas être compliqué quoi, enfin. Compliqué, tu veux dire dans quel sens compliqué? Je sais pas, faut pas se prendre la tête, enfin genre je sais pas du tout en fait. Donc si par exemple moi je viens, je dis ouais viens chez moi. Ouais non, non là j'en pas. Heureusement, voilà. Non là j'en pas. Bon c'est non, simple hein, simple, on est d'accord, salut, faut aborder poliment et tout, enfin voilà, simple, basique. Okay. Bah ça fait un peu cliché mais genre qu'il m'a trouvé jolie et que voilà, peut-être intéressant qu'il voulait me parler. Mmh. Après ça fait un peu en route quoi. Enfin tout de suite ouais. On pense, dès qu'un mec vient nous parler on pense tout de suite que c'est mauvais quoi. Mais d'accord, pas forcément. Okay. Mais ouais que je suis jolie, que peut-être que je l'intéresse, qu'il veut discuter, enfin voilà. D'accord, un peu de base, oui forcément discuter ouais. Donc toi à dire que si un mec vient dans la rue, tu seras pas vraiment dérangé? Si moi personnellement ça me dérange, parce que je suis un peu comme ça, mais après je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Moi je pense que ça dépend de la manière dont il vient de parler. C'est ça aussi, aussi c'est surtout okay. Ça. Bah, j'ai pas envie qu'il commence directement par me draguer en fait. Ah, c'est ça le truc. Alors dis-moi. J'ai juste envie qu'on puisse faire connaissance et qu'à un moment donné, si lui il a envie, parce qu'il a le droit d'avoir envie, et ben qu'il me fasse comprendre. Je sais pas quelle. En vrai, ça dépend de la personne, parce qu'un mec peut être hyper cash, mais parce qu'au feeling ça se passe bien, ouais. Et ben tu peux avoir la sensation qu'il dépasse pas ton seuil d'intimité, ouais, l'intimité, et qu'il va pas à l'encontre. Et quelqu'un peut être hyper. Faire les choses un peu entre les deux, et directement moi je vais sentir que c'est chelou. C'est chaud, hein, c'est bizarre. Donc en fait, c'est pas tellement les mots, c'est vraiment la manière de faire, et c'est comment les gens agissent entre eux. Et genre je peux pas dire la phrase type qui me ferait plaisir, mais c'est l'intention avec laquelle tu vas. En fait c'est partir du principe que la fille est pas acquise, que tu fais pas n'importe quoi, et que surtout c'est pas seulement une fille, c'est un individu comme toi en fait. Mm-hmm. C'est tout. D'accord, ok. Ça dépend en fait. Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Ouais. Bah des trucs positifs déjà. Des compliments? Oui, des compliments déjà. Et voir ce qu'il veut. Ah, qu'il, bah, me dise, qu'il me dise ce qu'il veut. C'est quand un homme vient. Je bah non, ça sais. Dépend, il y a plusieurs trucs. Comment ça, plusieurs trucs? Bah y a... Quoi, plusieurs trucs là? Mais il y en a qui veulent du sérieux, il y en a qui veulent juste. Ça, oui. Voilà. Ah, okay. Voilà. Oh, je sais pas. Des phrases qui te feraient plaisir par exemple? Bah un mec qui vient juste parler déjà de base, ouais. Sans forcément venir te voir pour te dire, enfin pour te draguer directement, même si on sait que si le mec qui vient nous voir c'est bah, qu'il y a, même, c'est parce que voilà. Bon, voilà. Mais un mec qui vient, qui commence à taper la discute, après je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait dire, je sais pas, bah des compliments, des petits compliments, je sais ah, pas. Des compliments, on aime bien hein. Ah, bah forcément ça fait plaisir quand on dit quoi, qu'on est, si on est joli ou bien habillé ou un petit sourire, un truc. Après c'est surtout aussi, je sais pas, dans les regards, dans les sourires, dans tout. Dans les sourires, d'accord, ok. Ouais. Donc un homme qui ne sourit pas, c'est mort alors. Non, un mec, il faut que ça fasse rire aussi. Fasse rire aussi, d'accord. Ouais, bah, non, c'est dur, hein, dis donc. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Sincèrement, aucune idée. Ah, vraiment pas. Pas des compliments ou des phrases particulières, y a rien du tout. qui me fasse rire.
un truc qui fait rire, vraiment. D'accord, ok. Je sais pas quoi, mais après, ouais, qui fait rire. Donc si je viens tout nu devant toi, ça marchera, c'est Non, c'est pas possible. Ça marchait, hein. Non, mais c'est drôle, mais tu prendras pas mon numéro, quoi. Ok. J'aime pas les gens nus, pas comme coup, ça. Je prendrais autre chose, alors. Bonjour, est-ce que je peux vous offrir un verre? Vous êtes charmante. Pas les trucs de charreau qu'on entend. Par exemple, c'est quoi des trucs de charreau pour toi? Cousine, t'es trop bonne, frère. C'est pas possible, quoi, franchement. D'accord. Non, okay. Mais ça donne pas envie, surtout. Franchement, c'est abusé, quoi. Non, mais vraiment, alors, faudrait leur dire, hein. La phrase que tu m'as dit, c'est en gros, est-ce que tu aimerais que je t'offre un verre, nanana et tout. Ouais. Sauf qu'il y a des filles qui n'aiment pas trop cette phrase-là aussi. Parce qu'elles se disent que, ah, le mec, il veut m'acheter pour un verre, il a des arrière-pensées derrière. Ouais, bon, après, je sais pas. Enfin, moi, personnellement, je préfère qu'on me dise oui, est-ce que t'es mignonne, est-ce que je peux t'offrir un verre ou un truc comme ça. Plutôt qu'on vienne, ouais, franchement, ouais. Ok, d'accord. Quel genre de phrase te ferait un peu du bien, disons? Je sais pas, un truc simple, tu vois, genre pas un truc lourd. Simple, tu veux dire dans quel sens simple, un peu comment? Une approche classique, pas un gros lourdingue. Pas un gros tu lourdingue. Vois, genre subtil. D'accord. Et juste pour toi, c'est quoi un gros lourdingue? Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, un mais... peu, ouais, t'es bonne, vas-y, viens ouais, ici, voilà, vas-y. Ce genre de truc. D'accord, ok, d'accord. Quelque chose de subtil, c'est mieux. Subtil, d'accord, ok. Ouais. Oula, pas les phrases clichés. Pas les phrases bateau sur le physique. Genre, étoile dans les yeux ou... T'as un corps de DS comme un Nintendo. Ouais, ça fait fier. C'est quoi du coup les phrases que tu aimerais vraiment entendre, les phrases qui te plairaient? Je sais pas, comme ça. Une discussion intelligente, intéressante. Ok. Qui porte pas sur le physique. Pas sur le physique, d'accord, ok. Ouais. Donc si le mec il vient et te fait un compliment sur le physique, c'est bof, c'est ça? Bah ça dépend quel compliment, s'il est un peu recherché, c'est toujours plaisant. Recherché, ok. Alors du coup, imaginons que là t'es du coup en couple depuis un an. Ok. Et imaginons que c'est à Saint-Valentin. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de ce mec-là? Qui m'aime et qui m'accueille avec un bouquet de roses blanches. Oh. Et attends, ouais, précis, hein. Pourquoi blanc? Parce que c'est... mince, c'est quoi le blanc? C'est la fidélité. Ah, ok. J'aimerais entendre ton copain. Bah déjà, moi, la Saint-Valentin, je la fête pas. Parce que je trouve c'est pas une fête... Si par exemple, on veut dire ce qu'on s'aime... Vous le dites en... Voilà, c'est pas la peine de le dire le 14 février, quoi. Okay. Franchement, non. Moi, je fête pas la Saint-Valentin. D'accord, ok, ça marche. Okay. Bah. En tout cas, merci à toi. Hein. Bah, merci beaucoup. Je sais pas, je fête pas la Saint-Valentin, j'y crois pas, non. Ah, okay, d'accord. Enfin, je trouve c'est un peu commercial, donc voilà, mais... Enfin, un truc normal, quoi. Enfin, de tous les jours, enfin, il n'y a pas vraiment la Saint-Valentin, j'ai une... Ça marche. Je sais pas, je t'aime. Ah, okay. Simple, efficace, basique. Voilà, c'est okay. Tout. Okay, merci à toi. Hein. Merci. Ah, depuis un an? Ouais. Qui m'aime? Tout simplement. Simple, basique, efficace. Bah ouais, mais non, mais qui est... Je sais pas qu'il est bien avec moi, que... Enfin, c'est simple en fait, mais les trucs les plus simples sont les meilleurs parfois. Quoi. Ok. Ouais. Donc, merci à toi en tout cas. Hein. Ok, excellent. Bah merci. Bah non, on fait pas vraiment la Saint-Valentin, mais genre, je pense, faut pas que ça change trop, faut pas que ce soit exceptionnel, les phrases mignonnes, des trucs comme ça, faut que ça vienne un peu tout le temps. Mais enfin, je suis belle, qui m'aime, voilà. Basique quoi, hein, bon, ouais, un peu de base quand même, mais ouais, voilà, un peu la base quand même. Parfait. En tout cas, je te remercie en tout cas. Bah, avec plaisir, merci. Excellent. Merci beaucoup en tout cas. Qui me disent ou qui me fassent? Bah les deux. Qui me disent, bah. Que tout ce qu'il ressent pour moi déjà. Ah, ouais. Voilà. Et qu'il me fasse, bah franchement, moi j'attends pas grand chose. On peut aller manger, même rien, rester à la maison tranquille, c'est très bien. Hein. Très bien. Ouais. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Donc si. Attends, est-ce que tu es une nyamangourou? Pardon? Est-ce que tu es une nyamangourou? C'est quoi? C'est les gens qui aiment bien être positifs et qui ont de l'ambition. Bah oui. C'est bien. Donc, tu es une nyamangourou? Oui. Ouais, merci. Parfait. Et du coup, ça fait un an. D'accord. Saint-Valentin arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais entendre de ton copain? Les phrases que tu aimerais entendre de ton copain? Que c'est pas une fête commerciale. D'accord, ok. Voilà. Bon, basique, c'est bien. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup en tout cas. Excellent. Bon, en tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo pour Antonio Mangourou. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.